J'ai perdu mon pied, donc là je vous ai mis sur un truc. Je suis désolée si c'est complètement bancal, si je suis coupée, mais je le trouve pas. Depuis les travaux, je sais pas, je m'en suis servie et je le trouve pas. Je vois pas où j'aurais pu le mettre. Donc bon, on va faire avec. J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour un vlog plutôt normal, puisque ces derniers temps j'ai mis que des vlogs travaux et la vidéo que j'ai fait pendant les vacances. Mais là, je me suis dit, du coup, pour faire une petite coupure, qu'on avait passé la journée ensemble, du moins l'après-midi, parce que là, c'est déjà 15h20. J'ai repris un rythme normal, je suis trop contente, parce que du coup, là, mon copain était en vacances, et qu'avec les travaux, tout ça, on n'avait vraiment plus de routine. Je faisais plus de sport, on mangeait assez mal, parce que être sur le chantier, tout ça, c'est du coup manger en 5 minutes. Des trucs pas super. On n'a pas arrêté de faire les apéros, les machins, bref. Donc là, depuis hier, j'ai repris le sport. Je suis trop contente, ça fait vraiment du bien. J'ai repris du coup Pamela Ref. J'ai arrêté mon abonnement Train Sweat It, même si j'aime beaucoup l'application. Mais le truc, c'est que je sais pas, j'avais envie de refaire des trucs de Pamela. Et en plus, du coup, l'abonnement était à 15 € chez TSE. Et là, du coup, j'ai pris vraiment le plus petit truc et je paye 3 € par mois. Donc, c'est beaucoup moins cher. Bref, voilà. Que dire d'autre? Je ne sais pas. J'ai pensé aussi, j'aimerais trop vous faire une vidéo FAQ sur les travaux. D'ailleurs, je vois que ça vous plaît énormément. J'ai pris pas mal d'abonnés là depuis que j'ai lancé les vlogs rénovation. Je suis assez contente. On s'approche de plus en plus des 2000 abonnés, donc j'ai trop hâte. Et du coup, là, je vous mets un petit truc là pour y penser. Envoyez-moi toutes vos questions en commentaire par rapport aux travaux, que ce soit, je sais pas, des trucs sur la maison en tant que telle, sur notre ressenti, comment ça va, ce qu'on va en faire, la déco, enfin, j'en sais rien. Toutes les questions qui vous passent par la tête, allez-y, j'y répondrai avec plaisir. Et voilà, sur ce, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller faire un petit tour. J'ai trop envie d'aller chez Cultura, voir un peu ce qui s'y passe. J'adore aller en librairie. C'est un endroit où je me sens trop bien. J'aime trop acheter des livres. J'aime bien. Donc je vais aller. Oh non! J'étais en train de me gratter un bouton de moustique, mais j'avais une croûte à côté et je l'ai arraché, mais d'une violence. Donc on va aller faire ça. Et ensuite, on va aller à BM Store parce que ça fait super longtemps que je suis pas allée faire un tour. Et je voulais voir s'il y avait des nouveautés, tout ça, et faire un peu du refaire pour la maison. Je sais que c'est pas pour tout de suite qu'on va déménager, mais j'ai quand même envie de commencer à regarder la déco, tout ça. Et du coup, voilà, donc je vais voir s'il y a des petites nouveautés. Et puis, c'est tout ce qu'on va faire pour today. J'ai trop hâte de vous mettre le prochain vlog travaux parce que ça aura bien avancé. Puisque, du coup, en gros, cette semaine avec Loris, on a essayé d'avancer sur le mur en pierre. Mon frère donc a fini de faire tout le ferraillage pour le plafond et normalement parce que du coup vu que ça sort pas là parce qu'il y aura cette vidéo mais la semaine d'après on aura eu le temps de faire encore tout le vraiment le plafond en placo du moins j'espère. Donc normalement ce sera dans le prochain vlog, ça aura quand même pas mal avancé de ce côté-là, ça va être trop bien. Et ensuite normalement parce qu'il ferait 2 semaines après, je suis en train de réfléchir. Début septembre, il y a les gros travaux faits par les maçons. Et là, ça va être vraiment du changement. Mais du coup, je sais pas si ça sera dans celui d'après. Parce que sachant que je poste tous les 15 jours les vlogs rénovation, mais que c'est encore dans début septembre et que le temps qu'il fasse tout, bon, je pense que ce sera encore dans celui d'après. Enfin bref. J'arrête de vous raconter ma life et let's go. J'ai fait vraiment ce matin mini make-up, j'ai juste fait mes sourcils et mes cils. Et encore à midi, je me suis pris du jus de pamplemousse dans l'œil, donc ça avait tout coulé là sous mon œil. Ben voilà, je vais m'habiller et on y va. Et je voulais vous montrer 2-3 petites choses aussi que j'ai achetées. Je vous ferai un petit haul tout à l'heure. Parce qu'on a pas mal de retard. C'est vrai que là, je prends plus le temps de faire des hauls quoi que ce soit. Parce que j'ai tellement de trucs avec les travaux.
À moins que je réunisse tout ce que j'ai acheté depuis le début et que je refasse un vrai haul complet la semaine prochaine. Je verrai. Bon voilà, allez, je m'habille et on y va. J'ai vu des petites choses bien sympathiques. La seule chose que j'ai acheté, c'est un gros gel douche comme ça, c'est Evoluderm, le beurre de karité. Il est énorme, en plus il y a déjà le pousse-pousse, donc trop bien. J'ai juste pris un jus mogu-mogu là, au litchi, j'adore ça. J'étais sur le point de rentrer et je me suis dit que j'allais quand même passer chez Centracor pour voir un peu tout ce qu'ils ont dans l'Atmosfera. Parce que j'avais vu pas mal de trucs sympas chez Atmosfera, donc je vais aller voir ça tout de suite. Sur quoi je vais vous mettre? Voilà. Étant donné que j'ai perdu mon trépied, et bah je voulais vous empiler sur des boîtes. On est le lendemain, en fait hier du coup je suis rentrée tout ça, il faisait tellement chaud, un truc de barge, franchement hier c'était horrible. Ce qui fait que bah du coup je suis rentrée, je me suis mise dans le canapé face au ventilo et en fait peu de temps après du coup on est parti à la maison avec Loris. On n'a pas fait grand chose, on a juste installé un lève-plaque et un échafaudage qu'on nous a gentiment prêté. Puis on a regardé 2-3 trucs, enfin bref, on n'a pas vraiment fait grand chose. On a pris des mesures, tout ça, nanana. Je vous ai pas filmé parce que bah, du coup je n'avais pas pensé à prendre ma caméra, enfin bref. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui. Je vais me faire un petit ravalement de façade parce que, étant donné qu'on est tout le temps au chantier, je me maquille plus du tout. Ça me déplaît pas, hein, je m'en fous un peu, mais de temps en temps, ça fait du bien de se maquiller. Donc voilà, j'ai vu un tuto sur TikTok qui a l'air trop cool, du coup j'avais trop envie de le tester. Une nana, je vais tester, enfin on parlera vite fait en même temps. Si c'est bien, je vous le mettrai en barre d'infos, mais le rendu était hyper naturel et tout, trop beau, donc du coup j'avais envie de tester ça. Et sinon hier, bah, comme vous avez vu, j'ai vu plein de jolies choses, franchement des trucs trop beaux, à Maison du Monde, à BM Store, Centracor aussi, franchement ça me donne trop envie d'acheter des trucs. Donc voilà, j'ai pris des petites photos que j'ai enregistrées pour me rappeler, pour la déco, et voilà. Je vais la blague son fond de tiens. Westman Atelier Stick contour visage et couleur biscuit. C'est comme un petit format. Un petit trick, tu te mets du foncé sur le bout du nez. Schlingpang. Après ça, comment elle me disait ça, Sophie? Elle dit si tu veux être snatched, tu t'en sacs en dessous de du menton. Dans un clean, clean. Juste ici, là. Tchac, tchac, mâchoire. Après ça, qu'est-ce que tu fais? Ding, 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 ding. Ou soit que ça couvrait pas assez. Make up forever. On remonte jusque là. Yeah, encore une fois, produit naturel. Vous allez voir que j'ai aimé ce produit.
un lip balm. Ça tient plus longtemps. OK, mon bout de nez, checkez bien ça. Il a disparu. Puis, autour de mon œil, genre. Là, je l'aime, puis je l'aime pas, ce produit-là. À date, c'est mon préf de tout ce que j'ai essayé parce qu'il fonctionne. Il te fait. Un petit morceau aussi, je prenais ça. Là, t'étends ça juste en haut de ton contour. Puis là, ça, ce qu'elle me proposait aussi, c'est d'en mettre un peu sur ma petite paupière de même. Viens là. Bon, j'ai fini le make-up. Franchement, je suis trop contente. Je sais pas si vous allez voir. C'est trop canon. En fait, ce que je trouve, c'est que ça fait hyper naturel. Parce que du coup, on a utilisé le bronzer pour mettre dans le coin de l'œil. Et le blush, un blush satiné. Elle a les produits de chez... elle a les produits Anastasia. Je crois que c'est Anastasia. Beverly Hills. Ou Charlotte Tilbury. Non, c'est les Charlotte Tilbury, l'highlighter et le blush. Enfin bref, après, je me les achète. Mais moi, du coup, j'ai quand même un blush un peu lumineux comme ça, Yves Saint Laurent. Et du coup, donc c'est ce qui donne ce côté très lumineux, tout ça, trop beau. Et du coup, on en met aussi sur la paupière mobile. Et du coup, ça fait un rappel. Enfin, je trouve que c'est harmonieux et tout. Trop beau. Faudrait que je me rachète un truc pour les lèvres. Elle a une huile Clarins. J'ai trop envie de tester. Ça a l'air trop canon. Mais du coup voilà, j'aime beaucoup, franchement trop contente. Je sais pas quoi faire de mes cheveux, pareil j'avais envie de me coiffer parce que ça fait tellement longtemps. J'ai pas coiffé mes cheveux. Je crois que j'ai envie de me les boucler ou onduler, enfin je sais pas trop. Non mais d'ailleurs, il faut que je vous montre, j'ai mon premier cheveu blanc. Attendez, je sais pas si on va réussir à le voir. Bon, je sais pas si vous verrez, bref, j'ai mon premier cheveu blanc. Donc ouais, je sais pas trop quoi faire de mes cheveux là. En ce moment mes cheveux c'est une catastrophe avec les travaux, du coup je les lave bah, tout le temps quasiment, des fois je les lavais 3 jours de suite et tout, alors que moi je suis vraiment du style à espacer au max mes shampoings, mais c'est genre pas possible, enfin il y a une quantité de poussière, il y a même des morceaux dans les cheveux et tout, genre des morceaux de mur, des morceaux de pierre, de tout, donc on peut pas rester comme ça, donc je suis obligée de me les laver tout le temps, tout le temps. Et je crois que du coup ils ont pas trop kiffé. Je sais pas, ouais, si je les ondule, si je les laisse comme ça. Bon, j'ai commencé en fait à boucler mes cheveux d'un côté et en fait j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte qu'ils étaient trop abîmé, je sais pas si vous allez voir, mais ils sont pleins de nœuds. Vous voyez, quand je fais ça, ça s'accroche et tout. Ils sont tout gonflés. Enfin bref. Du coup, ça m'a saoulée. Du coup, j'ai fait qu'une moitié. J'ai arrêté. De toute façon, après, on va encore aller au chantier. Même si normalement, on va pas trop faire de trucs un peu salissants. Mais non, je vais les laisser tranquilles. Et ce soir, je ferai un bon gros masque. Avec de l'huile d'olive, je dois avoir aussi un peu de coco, enfin je sais plus trop ce qu'il me reste. Celui-là c'est plus possible, ses cheveux c'est catastrophe. Je sais pas si vous voyez comme ils sont gonflés là. Du coup pour ce qui est du haul, je pense que je ferai un haul vraiment tout seul, mais genre semaine prochaine, enfin dans 2 semaines du coup. Parce que là déjà c'est le bordel, faut que je fasse un gros rangement. Comme ça je réunirai tous les trucs que je vous ai pas montré et je vous ferai un haul. De tous mes derniers achats de, bon, je pense, juillet et début août. Je vous fais un aperçu de mon dressing. Je sais pas quoi dire. Hop là, voilà, vous en avez déjà bien assez vu. C'est vraiment le bordel.
entre les vacances, ensuite on a eu un mariage, on n'arrête pas d'aller à gauche à droite. Le chantier, c'est genre je rentre dans le dressing, je prends une tenue de chantier, je me change le soir, je rentre, j'enlève les vêtements. On a des trucs les week-ends, les copains, hop, tenue, on revient, je change, enfin, je balance mes chaussures dès où que je peux, enfin, je vous jure, j'ai hâte de retrouver vraiment un rythme normal, parce que là, les travaux, compliqué. Bon les amis, je vais vous laisser là pour ce tout petit vlog, et pas grand chose à vous montrer, je suis désolée, mais bon. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau vlog des rénovations. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.